Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu peux le bénir. Bénis-le bien. Bénis ton voisin. Je suis venu te dire ce soir que Dieu te rend heureux. À partir de ce soir, il faut que tu vives heureux. Dis à ton voisin, je veux vivre heureux. Amen. Amen. S'il y a eu dans la Bible des gens qui ont vécu heureux, il faut que moi aussi je vis aussi heureux. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan de dire le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il faut que les gens te voient dans le bonheur. Amen. Le but de ce séminaire, c'est que quand nous allons le terminer, que tu dois vivre heureux. Amen. Que tu vives chez toi avec ta femme, heureux. Que tu sois à l'aise avec ta femme. Quand je termine le travail, j'ai l'empressement d'aller voir qui? Maman. Dis, si je termine le travail, je vais aller voir maman. Papa dit à maman. Maman Yaka. Alléluia. Alléluia. Maman Yaka. Est-ce que maman peut dire aussi à papa? Maman Yaka. Termine mon travail. Attends minute, toi. Yo, ça célibataire. Attends minute. Est-ce que une maman aussi peut dire à papa, quand je termine mon travail, je m'empresse pour venir te faire des bisous? Est-ce que tu peux dire à ton mari? Alléluia. Alléluia. Il faut que nos habitudes font quoi? Changent. On est fatigué de l'amour papa. Où la femme est derrière, l'homme est devant, les enfants derrière. Non. On veut l'amour où on se tient à la main. Je marche avec ma femme. Mais dans la main. Je n'ai pas honte de lui faire bisous. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a transformé l'amour. Hein. Les bisous sont dans la chambre. Non, les bisous se font partout. C'est fini cette époque-là. On est venu révolutionner les choses. Amen. Après ce séminaire, il faut que les choses changent. Amen. C'est pourquoi. Voyez bien moi. Merci beaucoup la Maria. Merci beaucoup la Maria. Ça commence à l'Éden. On a fait endormir Adam pour chercher l'os dans laquelle on va faire Eve. C'est bon le mariage. Je sais.
sepera moninga si mama moninga si osili bala sepera après seminaire ko zali bala mama sepera moninga si sepera sois dans la joie car quelqu'un a trouvé. Amen. Sois béni. Sois béni. Toi qui as trouvé, que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore trouvé, après ce séminaire, tu vas trouver. Amen. Amen. Impact et l'adoration, que Dieu vous bénisse. Amen. Si on peut nous lire comme on est debout, Psaume 127, le verset premier. Psaume 127, le premier verset. Amen. Notre thème, c'est en quoi le mariage est une bénédiction. Amen. Le but, ce n'est pas de condamner quelqu'un ou de regarder ma femme ou de regarder mon mari. Le but que nous poursuivons, c'est quoi? Que notre mariage devienne une bénédiction. Que nous soyons heureux dans notre mariage. Amen. Amen. Donc, tu n'es pas venu pour que tu condamnes ton partenaire. Amen. Tu es venu pour que tu apprends à changer aussi. Amen. Moi-même qui vous donne cet enseignement, j'apprends aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Amen. Depuis que j'ai commencé à préparer cela, je suis devenu trop amoureux. Trop même. Amen. Alléluia. Je ne comprends pas, je me colle tout le temps à ma femme. Amen. Alléluia. C'est ça le but. Le but est que tu te colles souvent à ta femme. Et que la femme se colle à qui? À son mari. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire le premier verset? Psaume 127, le premier verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soyez bénis. Dieu est au centre de la vie de toute personne. Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, tu risques de crever. Parce que c'est Dieu qui nous garde. Pendant toutes les années que tu as vécu sur cette terre, c'est Dieu qui t'a gardé. Parce que lui, il était au centre. Si Dieu n'est pas là, on ne pouvait pas être là ce soir. Amen. Le diable allait déjà nous détruire. Mais comme Dieu est amour, dans son amour, même quand toi tu ne t'occupes pas de lui, lui s'occupe de toi. Il te protège. Amen. C'est pourquoi le thème de ce soir, le sous-thème, si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Si Dieu n'est pas celui qui bâtit ton mariage, amen, tout ce que tu fais est en vain. Amen. Parce que c'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui met la fondation. Si lui n'est pas le maître, tout ce que tu feras s'écroulera un jour. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas dire que on s'est croisé, on s'est aimé et on ne voit pas pourquoi Dieu viendra. Non. Bien-aimé, l'erreur que beaucoup font, ils écartent Dieu dans leur mariage. Mais c'est Dieu qui bâtit. Si c'est lui qui bâtit, n'est pas l'Éternel, tout ce que tu feras ne tiendra pas. Il faut que Dieu soit l'artisan de ton mariage. Amen. Amen. On va nous lire Deutéronome 7:3. On va découvrir quelque chose à partir de là. Deutéronome
chapitre 7, verset 3. Je veux que tu suis maintenant tranquillement et ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme. Tu ne peux pas dire, si moi je suis aujourd'hui comme ça, c'est à cause de ma femme. Non, la femme n'a jamais fait les choix. Vous savez que la femme ne fait pas les choix. C'est l'homme qui choisit. Amen. 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 C'est l'homme qui choisit. Amen. Je répète, c'est l'homme qui choisit. C'est ta provocation, toi l'homme, qui pousse à la femme de dire, si tu ne l'avais pas mis en chaleur, elle n'allait pas dire oui. Tu es d'accord avec moi? Parce que toi l'homme, tu viens mettre la femme comment? En chaleur. Amen. C'est toi qui as eu la chaleur avant. Amen. Parce que le mariage, l'amour, c'est physique, hein? Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Amen. Soyons sérieux. C'est comment? C'est physique. Quand tu l'as vu, directement ton cœur a basculé. Tu ne connaissais pas son état d'âme. Tu ne viens pas nous dire c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Le Saint-Esprit ne parle pas. Je vois seulement le visage, mon cœur se chauffe. Amen. Je ne suis plus tranquille. La fille passe, elle ne sait pas que tu le regardes. Tu regardes. Tu commences à chercher les renseignements sans lui dire que tu cherches les renseignements à propos d'elle. Amen. Pourquoi? Parce que ton cœur a eu quoi? Une chaleur. Maintenant, la fille, elle est toujours froide. Elle n'a aucune chaleur de toi. Amen. Peut-être même il ne t'apprécie même pas. Alléluia. Mais toi là-bas déjà, tu es KO. Tu fais même des insomnies, des rêves. Mais la fille n'est pas au courant qu'il y a quelque part quelqu'un dans ce coin reculé qui est en train de les rêver, qui est en train de faire des insomnies. Amen. Alléluia. C'est toi par ta provocation, tu vas semer la chaleur dans le cœur de la femme. La femme au départ ne connaît rien. Même quand elle commence à accepter tes rendez-vous, ne pense pas que la femme t'aime. Elle peut accepter tes rendez-vous et l'amour n'y est pas encore. Elle t'apprécie seulement. Il y a seulement quoi? L'appréciation. Parce que l'appréciation et aimer, c'est deux choses différentes. Amen. Je peux apprécier quelqu'un, je l'apprécie. Ah, j'apprécie comment il s'habille, comment il est, je l'apprécie. Mais je ne l'aime pas. Dans vos premières rencontres là, la femme, elle t'apprécie. C'est quand tu vas dire quelque chose qui va faire un déclic dans elle, ça va le faire sursauter. Il dit, oh, c'est ce que je voulais entendre. Là, il commence à t'aimer, commence à t'envoyer des textos. Deux minutes après, il envoie texto. Tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi silence? Pourquoi tes phrases sont courtes? Et tu ne veux pas dialoguer? Ah, pas CRC, hein? Ah, pensez que je ne savais pas. Amen. Amen. Là, la fille est déjà troublée. Amen. Amen. Maintenant, quand elle arrive même à la maison, quand on commence à lui parler, on commence à faire un peu de fière. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un monsieur qui l'écrit. Si il attend, il va kiki, j'arrive. Là-bas, à la toilette, elle répond. Elle est troublée. Amen. Mais qui l'a troublée? N'est-ce pas, c'est un monsieur? Amen. C'est le monsieur qui fait les choix. Ne dis pas, j'ai échoué à cause de la femme. Tu as échoué parce que toi-même, tu n'as pas été prudent dans ton choix. Papa, lis pour que nous comprenions. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Bien aimé, ici, parce qu'on a pris ça au milieu. Amen. Israël sort de l'Égypte. Amen, je vais aller rapidement. Israël sort de l'Égypte. Dieu les fait traverser la mer Rouge. Ils arrivent dans le désert. La mission était arrivée à Cana. Maintenant, Dieu donne des directives. Il dit, là où vous allez, il y a
le peuple qui habite ce pays. Mais moi, je vais tout faire que vous puissiez les ravir la terre. Parce que cette terre, je vous la donne. Amen. Alléluia. Il donne aux gens une terre qui appartenait déjà à un peuple. Amen. Il dit, quand vous aurez terminé à exterminer, vous allez conquérir ce peuple. Voici ce que vous devez faire. Mais Dieu ne commence pas à autre chose. Est-ce que la chose la plus importante dans un pays, c'est le mariage? Oui, c'est le mariage. La chose la plus importante dans la destinée de quelqu'un, c'est le mariage. Si le mariage n'est pas bon, tu as échoué ta vie. Ta destinée aussi est bloquée. Tu veux que ta destinée soit agréable, il faut que la première des choses que j'ai fait, que mon mariage soit correct. Si j'échoue directement dans le mariage, c'est toute une vie gâchée. Une vie de perte. Une vie d'angoisse. Une vie de souffrance. Amen. C'est pourquoi Dieu leur tire les oreilles. Quand tu arriveras là-bas, la première des choses que tu feras quoi? Dans ton choix. Tu ne contenteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne prendras pas le peuple qui est que tu trouveras là-bas. Mais qui est le créateur? C'est Dieu. N'est-ce pas ces peuples-là? Ne sont-ils pas des créatures de Dieu? C'est Dieu qui les a créés, n'est-ce pas? Mais comment Dieu dit, avec ce peuple, tu ne t'uniras pas avec ce peuple. Il ne faut pas qu'il y ait union entre toi et ce peuple-là. Mais c'est Dieu qui les a créés. C'est que sur cette terre, pour que je sois bien, je dois faire gaffe à mes choix. Parce qu'il y a certaines personnes que je ne peux pas prendre. Sinon, je gâche quoi? Ma vie. Ici, ce n'est pas l'homme qui dit, c'est Dieu qui dit. Tu ne prendras pas pour femme les filles de ces pays. Oui, papa, ajoute. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Il donne le devoir aux parents. Toi, parent aussi. Tu ne donneras pas ta fille à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Jamais. Donc, c'est un devoir pour les parents. Si son fils vient seulement avec une cananéenne, maman, ça ne nous touche pas. Pourquoi? Parce que les cananéennes sont été maudits de la bouche de leur père. Qui seront esclaves de qui? Des esclaves. Donc si tu t'es marié avec un cananéen ou une cananéenne, tu sais toi-même le sort qui viendra sur toi. Alléluia. Parce qu'au départ, ce peuple est maudit. Dieu dit fais gaffe. Le mariage, ce n'est pas prendre quelqu'un seulement pour prendre parce qu'il a un bon physique. Non, je dois savoir faire aussi mes choix. Est-ce que cette personne que je vais choisir, j'ai un avenir avec lui? Est-ce que je peux aller loin avec lui dans ma vie? Est-ce qu'il m'apportera aussi quelque chose dans ma vie? C'est pas parce qu'il a mis la veste qui le sert et puis il a fait les cheveux bien, il a fait zéro faute. Non! Alléluia! Oh, il a mis le parfum qui sent bon. Non. Tu ne mangeras pas le parfum. La vie est tellement longue. Tu ne sais pas combien de temps il vivra sur la terre. Amen. Pour que tu puisses faire l'erreur dans ton choix. Le choix est primordial. Papa, qu'est-ce qu'il ajoute encore? Car il détourne de moi tes fils. Si tu prends ce genre de femmes ou ce genre d'hommes, ils vont te détourner de qui? De Dieu. La peur que Dieu avait, que les Cananéens fassent quoi? Détournent les enfants d'Israël contre lui. Alléluia. Qui servirait d'autre Dieu, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Et Dieu ne sera pas l'artisan de votre mariage. C'est pourquoi Salomon nous dit. Celui qui bâtit seul, bâtit en vain. Si tu prends cette femme, tu ne bâtis plus avec Dieu. Parce que Dieu se retire. Au père, que ce peuple te détourne vers d'autres dieux. Si tu ne prends pas, donc, une qui est de notre race, tu sais toi-même les conséquences qui viendront.
Alléluia. Alléluia. Nous avons une race. Donc, quand je fais mon choix, il doit être de ma race. Quand je parle de la race, est-ce que je parle de noir ou de blanc ou de jaune? Non, la race est chrétienne. Amen. Est-ce que la personne que moi j'ai choisi, est-ce qu'il est de ma race? Est-ce que nous parlons le même langage? Nous avons la même vision. Nous voyons les choses de la même façon. Est-ce que nous parlons de la même manière? Alléluia. Est-ce qu'on s'exprime sur la même base? Ou bien nous avons que des chicanes? Bien aimé, le choix de quelqu'un est le début de sa destinée. Alléluia. Alléluia. Le mariage commence par le choix. Le choix que tu poses. Amen. Papa, Genèse 24, à partir du verset 10. Ici, nous allons voir Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham. Abraham lui confie la mission. Il lui dit à Eliezer, ne va pas chercher des filles cananéennes pour mon fils. Retourne là où moi je suis né. Va chercher là-bas une femme pour mon fils Isaac. Ah! Il voulait amener l'enfant. Le papa dit, n'amène pas mon enfant. Jure-moi que tu n'amèneras pas mon fils. Aucun jour, amène mon fils à mon village. Mais papa, je vais aller faire le choix pour quelqu'un qui est déjà adulte, Isaac. Je ne connais pas le goût d'Isaac. Comment je ferai-t-il le choix pour quelqu'un que dont moi-même je ne connais pas ses désirs? Alléluia. Le père dit, vas-y, mon Dieu va te guider. Et puis il est parti. Quand il est parti, maintenant il arrive là où il devait arriver, dans la famille de qui? D'Abraham. Il arrive. Papa, lis-nous. Le serviteur prit du chameau parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tout le bien de son seigneur. Il avait à sa disposition tout le bien de son seigneur. Bien-aimé, le mariage aussi. Il faut que je prévoie que quand je vais me marier, j'ai aussi des moyens. Ne viens pas chercher la fille d'autrui. Toi-même, tu n'es pas encore casé. Tu n'as même pas encore l'argent pour t'acheter même un pantalon, mais tu veux te marier. Amen. Tu ne sais pas comment on paye les loyers. Tu ne sais pas comment on paye l'électricité. Tu ne sais pas comment on paye le téléphone. Toi, tu as toujours des problèmes pour le paiement des loyers. Tout le temps, tu es à la régie. Ne te marie pas encore. Tu n'es pas encore prêt parce que tu es délinquant. Amen. Ne viens pas, oh la femme maintenant, au lieu qu'il soit femme, qui devient ta maman. Non. Alléluia. Il y a des hommes dont la femme lui paye tout. La femme n'est pas ta maman. Elle est ta femme. Donc quand tu sais que tu ne sais pas encore payer même la chaussette, tu n'es pas encore bon pour le mariage. Amen. Chaussette, tu ne sais pas acheter. Est-ce que toi tu peux te marier? Tu ne sais pas encore faire le lit. Tu vas te marier pourquoi? Vous voyez ici, il a amené quoi? On a disposé des biens pour le mariage de qui? D'Isaac. Isaac était prêt. Isaac était responsable. Quand quelqu'un se marie, c'est qu'il sait déjà qu'il est prêt, il est mature. Amen. Il est comment? Mature. Il ne viendra pas à la maison. Il ne sait pas que quand la femme est enceinte, moi je dois être là. Il quitte la maison. Il part. Il ne sait pas que la femme est enceinte. J'ai vu un garçon. Il laisse la femme ici à Montréal. Il prend l'avion.
il part en Belgique parce qu'il y avait une grande fête en Belgique. Alléluia. Il a laissé la femme sans biberon, sans couche, mais il est parti. Est-ce qu'il est responsable, cet homme? Est-ce qu'il devait se marier? Ta fille aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un porte un pantalon, il est un homme. Il y a d'autres qui portent les pantalons, mais ils devaient porter la couche parce qu'ils ne sont pas encore prêts à porter les pantalons. Amen. Alléluia. Amen. Il devait porter la couche, on devait lui changer encore de couche parce que c'est un enfant. Alléluia. Alléluia. Il part, il reste un mois en Belgique sans avoir laissé quelque chose à la femme. Et quand il retourne, il trouve un prétexte à dire que la femme est impolie. J'ai dit, la femme est impolie. Tu voulais qu'il soit poli à toi, pourquoi? Du moment, toi, tu es responsable. Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il dit, mon beau monsieur, tu es venu, papa. Sois de retour à la maison. Fais la folie. Tu es un bon papa. Non, il faut qu'on te parle. Il y a des choses que c'est toi-même qui perds ton respect. Des choses que toi, tu ne peux pas faire. À un certain âge, il y a des choses que je ne peux plus faire. Amen. 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 Nous devons grandir. Nous devons nous maturer avant de dire que je vais me marier. Si tu veux t'amuser, amuse-toi d'abord. Termine tes amusements. Il y a même des gens qui sont des bébés à 50 ans. Amen. J'ai vu un papa de 50 ans qui ne sait pas qu'il a 50. Amen. Il ne sait pas qu'il a 50. Il oublie même qu'il a une femme à la maison. Il prend des engagements sans savoir que à la maison, j'ai des responsabilités. Amen. Amen. Il s'en va au Congo pour rester 2 ans. Est-ce que ce papa devait se marier un jour? Non, vous riez, mais ce sont des choses qui sont sérieuses. Il y a des gens qui ne comprennent même pas c'est quoi le mariage. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Papa, lis-nous, on a mis à sa disposition tous les biens. Continue rapidement, papa. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Rapide. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits. Près de quoi? D'un puits. Il était près de la source. Là où il y a l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole. Il était près de quoi? De la source. Nous devons être près de la parole. L'homme qui veut se marier doit demeurer dans la parole. Une femme qui veut se marier doit demeurer où? Dans la parole. Quand vous êtes en dehors de la parole, déjà vous avez échoué. Tu veux que le mariage soit béni, je dois demeurer auprès de la source. Parce que je n'ai jamais vu un arbre auprès de la source perdre ses feuilles. Elle est toujours verte. Donc si mon mariage est basé sur l'eau qui est la parole, mon mariage sera toujours fleuri. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu enlèves ton mariage près de la source, ça devient quoi? Le déclin qui commence. Les disputes commencent. Les insultes entrent. Les manques de respect entrent. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole ne tient plus. Il n'y a plus la parole qui dirige le mariage. C'est autre chose qui dirige. Amen. Alléluia. Papa. Au temps du soir. Au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Au temps où sortent celles qui vont puiser quoi? De l'eau. Nous aussi, au temps du soir, nous sommes venus faire quoi? Puiser quoi? De l'eau. Amen. Pour que ma vie aussi change. Quand cette eau-là vient, il m'amène la lumière. Il m'éclaircit. Tout ce qui était ténèbre change. Je le vois clairement que ça c'était ténèbre. Il faut que je sorte. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils sont venus puiser l'eau, papa, qu'est-ce que le monsieur va dire? Et il dit. Et il dit ceci. Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham. Dieu de mon Seigneur Abraham.
Il reconnaît que le Dieu d'Abraham est suprême. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, avant de faire le choix, il reconnaît la puissance de celui qui a instauré le mariage. Il ne fait pas le choix seul. Il invoque qui? Dieu. Dans mon choix, je dois invoquer qui? Le maître, le Dieu du ciel, qui lui vient me diriger dans mon choix. Alléluia. Je peux voir 10 filles ici à l'église. Belle, belle, belle 10. Mais je ne peux pas me précipiter. Je dois prendre leur nom, exposer devant l'Éternel. Seigneur, voici la liste. J'ai vu Mujing. J'ai vu Kabengele. J'ai vu Chitende. J'ai vu Chilombo. J'ai vu Kadiata. J'ai vu. Hein? Oh. Ngalula. Mouton. Hein? Alléluia. J'ai vu Kabeya. J'ai vu Kalambaye. J'ai vu Mujing. Donc, il présente ça devant qui? Devant l'Éternel. Seigneur, voici ces 10 candidates. Dis-moi, celle que toi tu penses, Seigneur, qu'elle est destinée pour ma vie. Alléluia, papa. Si tu ne prends pas celle qui est destinée pour ta vie, laisse-moi te dire, la femme colle l'homme comme les dents de la bouche. Alléluia. Tu te promènes avec tous les jours. Amen, papa. Fais-moi, je te prie. Fais-moi, je te prie. Rencontrer aujourd'hui celle que je désire. Rencontrer aujourd'hui celle que papa. Ce que je désire. Ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Mm-hmm. Voici, je me tiens près de la source. Je me tiens près de la parole. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour les puiser l'eau. Les filles de la ville vont sortir bientôt. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Voyez l'exercice qui dit, celle que je vais demander quoi? De l'eau. Celle quand je vais demander de l'eau, qui me dira, posant à ma beau côté. Alléluia. Amen. Celle qui me dira pas, toi aussi tu es parti à 8h, moi aussi je suis sorti à 8h. Tu es revenu à 4h, moi aussi je suis revenu à 4h. Je suis fatigué aussi comme toi. Tu n'es pas là pour faire la télécommande. Caca, maman, je t'avais épousé pour me parler de la télécommande. Alléluia. Amen. Tu vois déjà, il est clair. Celle qui va travailler pour son Seigneur. Que quand le Seigneur aura besoin d'eau, celle qui amènera la cruche pour le Seigneur. Pas une femme qui dira au Seigneur, toi tu travailles, moi aussi je travaille. 50-50. Qu'on fait un programme. Aujourd'hui c'est ton tour, caca. Tu mets au frigo et puis tu mets le poêle là, tchic. Donc moi je sais que mardi c'est moi qui lave les assiettes. Osez la trop. Je ne la verrai pas. Amen. Amen. Dis à ton voisin, moi aussi je ne la verrai pas. Papa, dis papa, n'aie pas peur papa. Tu n'es pas là pour qu'on te fait papa un calendrier dans lequel on a mis lundi c'est le tour de papa, mardi c'est papa qui va nettoyer, mercredi c'est papa qui va faire à manger. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Non, je te pose la question. Est-ce que ce que toi tu fais est biblique? Oh, le pasteur Pierre lave les assiettes à la maison. Moi, je t'avais dit, je lave les assiettes à la maison. Papa, tu sais, il est gentil, mon mari. Hein? Quand il vient, il fait tout. Il lave tout. Il même, il balaye. Et toi, tu fais quoi? Au moins, j'écoute la télé. Caca.
qu'on a dit ici celle qui va regarder la télé? On a dit celle qui fera quoi? Celle qui fera quoi? Maman Rose, parle, maman, même toi, hein? Il va donner aussi à qui? Au chameau. Le chameau, là, c'est quoi? C'est le reste de la famille qui est à la maison. Qui aura la joie de nourrir même ma famille. C'est celle-là qui est destinée à qui? À mon Seigneur. Celle qui dira pas, je ne suis pas l'esclave de ta famille. Y'a yo papa yé. Y'a combien la zone l'ambami? Parce que mon père est à la maison. Hein? Tu commences à avoir mal à la tête parce que mon père est à la maison. Tu mets ton foulard. Chaque fois que tu arrives, tu mets le foulard pour montrer que mon père te dérange. Est-ce que tu étais destiné pour moi? Acclamons les rois des rois. Je prêche mal. Hein? Je prêche mal. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur. Mais je me suis posé la question. Pourquoi Eliezer doit faire tout ce cinéma pour faire seulement un choix? Il ne pouvait pas entrer directement dans la maison et dire que j'ai choisi celle-ci. Mais pourquoi il doit passer par tout cela? Il se tracasse pour le choix. Bien aimé, c'est parce que la femme a une valeur. La femme a une valeur. Ecclésiaste 4:9 nous dit, deux personnes, s'ils se mettent ensemble et s'ils travaillent, ça devient quoi? Une richesse. Quand vous vous associez à deux, cela devient quoi? Une richesse. Alléluia. Alors pour qu'on s'associe, il faut que nous deux, dans le choix, que les choses se fassent bien. Parce que c'est une association que nous voulons qu'il y ait quoi? Une unité. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui a poussé Eliezer à faire cela, la réponse se trouve dans Proverbe 18:22. Papa, Proverbe 18:22 dit quoi? C'est pourquoi Eliezer fait toute cette tracasserie. Parce qu'il y avait une promesse dans la Bible. Écoutez la promesse. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le malheur. Non, je te pose la question. Celui qui trouve une femme trouve quoi? C'est que la femme a une valeur. Alléluia. La femme elle-même ignore qu'elle a une valeur. La femme doit savoir qu'elle a une valeur. Parce que quand on la trouve et qu'elle joue le rôle qu'elle a, n'est-ce pas que l'homme trouve quoi? Le bonheur. On ne dit pas que celui qui trouve une femme trouve le malheur. C'est quand je trouve une femme, comme la femme a une valeur que Dieu lui a donnée spécialement pour qu'il puisse amener le bonheur dans la vie de l'homme, c'est que quand je trouve une femme, ma vie doit faire quoi? Changer. Je ne peux pas que quand je vais retourner chez moi, j'ai du mal à retourner à la maison. Il y a des femmes qui disent, papa, il est sorti, il n'est pas rentré. Il est rentré seulement à 4h, à 5h du matin. Tu voulais qu'il fasse quoi? Quand il vient à la maison, au lieu de trouver le bonheur, il trouve les disputes. On dit celui qui trouve une femme trouve quoi? Il faut que moi, quand je termine mon travail, je me précipite, je dis je commence à appeler déjà. Chérie, j'arrive. Je suis déjà à 10 minutes de la maison. Vous savez que des fois, quand ma femme est à la maison, je peux l'appeler même 20 fois. Les enfants me disent, papa, tu t'ennuies. J'ai dit, je m'ennuie, ma femme me manque. Amen. Il faut que quand je retourne chez moi, j'ai le bonheur de retourner. J'ai la joie de retourner à la maison. Parce qu'on dit, celui qui trouve sa femme, trouve le bonheur. Ça va continuer le verset. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La femme est un don que Dieu donne à l'homme. C'est pourquoi tout ce que Eliezer faisait, parce que le don vient du ciel. Il fallait qu'il demande à celui qui donne ce don-là. C'est qui, c'est Dieu?
Alléluia. Si toi, tu sais que c'est Dieu qui donne la femme, c'est un don qui vient du ciel, je respecterai ma femme. Parce que c'est un don qui vient du ciel. C'est que c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que je ne le respecterai pas? Chaque matin, je dirai, oh, le don de Dieu, comment vas-tu? Est-ce que tu peux dire même à ta femme, même à l'oreille, souffle à l'oreille, don de Dieu, tu vas bien? Oh, les hommes ont honte, hein? Elle est don de Dieu. C'est un don que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer parce que tu es un don que Dieu a donné? Du moment que moi, femme, je sais que je suis un don que Dieu a donné à mon mari, je ferai tout que mon mari soit heureux. Amen. Non, la femme n'a pas compris. Du moment que moi, femme, je sais que je suis un don que Dieu a donné pour que cet homme soit heureux. Je ferai tout pour que cet homme soit heureux. Afin que Dieu me couronne. Beaucoup de femmes n'ont pas la couronne. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas ce que Dieu leur a dit. Moutou Makas. Alléluia. Amen. Je ferai tout pour que mon mari soit comment? Heureux. Si ton mari est malheureux, c'est toi. Parce que tu ne joues pas ton rôle. Tu sais bien que ton mari aime manger les poissons. Mais chaque samedi, fais un programme de poissons. C'est un week-end dans lequel tu as le temps de faire un bon repas. Déjà le samedi, hein, c'est destiné pour que tu puisses faire un bon repas. Parce que le lundi, tu le fais manger les choses qui sont endormies. Eh oui, il y a beaucoup de papas ici à part moi qui mangent seulement les bidons. Ils mangent les choses de lundi, de mardi, de mercredi. Qui sont endormis, qu'on a mis dans le frigo, qui ont tapé. Vous savez, même les pondous, quand tu les mets dans le frigo, ça dénature. Ça perd le goût. Amen. Parce que nous, au pays, on ne mettait pas les frigos dans les pondous dans le frigo, on les chauffait. Le matin, quand on se réveille, on les chauffe encore pour que ça puisse pas pourrir. Ça garde la forme. Mais quand ça prend seulement l'air là qui est dans les frigos, l'aliment change de goût. Ça n'a plus le même goût. Même la viande, ce n'est plus bon pour manger. Amen. Et toi, on te fait manger ça toute la semaine. Mais une femme, vraiment, une femme, hein, une femme, qui est vraiment ce qu'on dit ici, qui trouve une femme, trouve le bonheur, qu'elle sait que je suis un don pour mes maris. Le samedi, réserve pas spécialement pour son mari. Repas spécial. Spécial pour les chéris. Je prépare différemment pour tous les jours. Toi, tu penses que si l'homme voit seulement la manière dont toi tu les sers le samedi, est-ce que papa lundi, tu ne peux pas dire à ta femme je t'aime? Oui, papa. Mais le je t'aime, il a fini pourquoi? Du moment qu'on t'a fait que tu deviennes habitué, tu es comme ça, même si c'est un samedi, on te sert des fois même, on met ça dans un casserole. Tu te poses la question, est-ce que je suis le papa de la maison ou si je suis David? Donc avec toi, avec ton fils, il n'y a pas de différence. Toi, tu penses que je dirais je t'aime facilement. Le je t'aime vient avec la manière dont le don de l'Éternel est en train d'exercer son amour. Amen. Le don de l'Éternel. Ah, dis à ta voisine, je suis un don de l'Éternel. Là, tu as dit vite, hein? Parce que c'est toi. Amen. 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 Bien-aimé, laisse-moi te dire, comme le mariage est important,
on ne choisit pas la femme n'importe comment. On ne choisit pas l'homme aussi n'importe comment. Je dois tenir compte de mon choix. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Samson. Je vais vous donner un exemple. Cet homme, béni par Dieu, cet homme, Dieu lui a rempli de puissance et de force. Mais le défaut que cet homme avait, qui a détruit sa vie, c'était quoi? Le mariage. Il avait tous les atouts qu'un homme sur cette terre, quand il les voit, il apprécie. Amen. Papa, la carrière, il avait. La force, il avait. La puissance, il avait. Mais cet homme, c'est le défaut qu'il avait, il ne savait pas faire la part des choses. Quand tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu échoueras. Je vous ai dit, c'est lui qui bâtit. Si ce n'est pas l'Éternel, tout ce que tu bâtis va tomber. Amen. Cet homme, au lieu de prendre Dieu comme référence, il a pris sa pension à lui, ses désirs à lui. Comme il avait vu les filles des Philistines, qu'elles étaient de belles femmes, bien aimées, il est tombé KO. Amen. Ces filles-là sont belles, hein. Va à Palestine. Tu vas voir, c'est de belles filles. Amen. Tu ne les as jamais vues. C'est de belles filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est belle, il faut dire qu'elle est belle. C'est de belles filles. Quand tu vas là-bas, tu vas trouver de belles filles. Maintenant, Samson était attiré par ses femmes. Ses parents l'ont supplié. Ils ont dit, mon fils, même chez nous, il y a des filles. Mais Samson, tout ce que ses parents lui disaient, Samson faisait entrer ici et ça sortait de là. Il voulait faire l'expérience. La première femme l'a trompé. Samson, au lieu de laisser, non, il va chercher encore une autre. C'est l'autre-là qui va amener Samson jusqu'à perdre ses yeux. Vous voyez le mariage. Or, Samson, selon ce que Dieu lui avait donné comme promesse, Samson était un homme béni qui devait sortir Israël de la souffrance des Philistins. Et Samson devait vivre erré et épanoui. Au lieu de vivre erré et épanoui, Samson se retrouve avec les yeux crevés et il est prisonnier, esclave. À cause de quoi? Du mariage. Le mariage peut te rendre esclave. Le mariage peut te rendre prisonnier. Tu risques de tout perdre sur cette terre et passer comme si quelqu'un n'a jamais vécu. À cause de quoi? Du mariage. Bien aimé, quelqu'un m'a posé la question. Maintenant, comme tu parles, tu dis qu'on doit faire un choix. On doit choisir seulement à l'église. Mais dehors aussi, il y a des hommes qui sont plus meilleurs que les gens qui sont à l'église. J'ai dit oui, tu n'as pas menti. Il y a des hommes qui sont amoureux, mais païens. Mais comment amoureux? Plus amoureux qu'un chrétien. Cet homme-là, il peut même t'ouvrir la portière. Il peut te faire porter le manteau. Oui, il peut te faire porter le manteau. Non. Il peut même repasser tes robes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut même te faire les yeux, te servir au lit. Plus qu'un chrétien. C'est le cher. Amen. Amen. D'après le plan de Dieu, donc on ne peut pas séparer ceux qui sont unis parce qu'ils deviennent quoi? Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire, d'après Dieu, le divorce n'est pas permis. Amen. Parce que lui, quand il unit, il unit. Amen. On doit rester jusqu'à la mort. D'après Dieu. Hein? Amen. J'ai dit d'après Dieu. Parce qu'il y a aussi d'après les hommes. Hein? D'après Dieu, on doit rester unis jusqu'à la mort. Quand un des conjoints meurt, l'autre devient libre. Amen. Il peut se marier, n'est-ce pas? Mais voici la position que Dieu donne dans certains cas.
Papa, continue un peu. Là, tu étais verset combien? 6, hein? Lis-nous verset 8. Il a répondu. Il a répondu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est à cause de la dureté de votre cœur, parce que tu n'as pas voulu supporter la femme. Alléluia. Amen. Moïse t'a donné droit à répudier, mais selon Dieu, ce n'était pas comme ça. Moïse, comme vous le pressez, il ne pouvait pas vous répondre tout le temps. Vous l'avez tellement acquillé. Non, je ne veux plus cette femme. Je ne veux plus cette femme. Moïse dit, bon, comme tu ne veux plus, écris-lui une lettre. Répudie-la. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans cette affaire. Oui, papa. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mm-hmm. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour quel cas? Seulement si la femme commet l'infidélité, on peut la répudier. Selon Dieu. Mais dans les autres cas, est-ce qu'on a le droit à répudier la femme? Oh, la femme prend seulement ta voiture. Tu achètes ta BMW. Nouveau modèle. La dernière classe. La femme le prend le soir. À combien il y a de ventes? C'était beau. Déclassé. Perte totale. Papa, tu le pardonnes. Oh, mais tu le pardonnes. Même si tu l'avais acheté 150 000 cash. Tu dis quoi? Chérie, ce sont les choses de la terre, je te pardonne. Mais si tu trouves ta femme avec Jean de Dieu en train de s'embrasser, là il n'y a pas pardon. Là, si tu la répudies, tu fais bien. Amen. Amen. Tu as compris? Oh, maman, tu as compris? Tu es un don de l'Éternel, n'oublie pas. Donc, tu as compris? Don de l'Éternel, tu as compris? Amen. Ah, ma tante, parce que ma vie n'a pas combien dans la yo. Mais ne commets pas l'adultère. Chez lui, il y a même des gens qui meurent à cause de l'adultère. Amen. Oui, papa. Et qui en épouse une autre commet un adultère? Si la femme n'a pas commis l'adultère, oh non, m'a dit seulement, séparons-nous. Parce que je suis fatigué de toi. S'il se marie, commet quoi? Parce que il devient infidèle. Il devait rester comme ça. Amen. Maintenant, répondons à la question là qu'on m'avait posée. Quelle est la position de Dieu pour un mariage entre croyants et non-croyants? Amen. 1 Corinthiens 7. À partir du 12e verset. Aux autres, aux autres qui? Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, ici beaucoup de pasteurs se troublent parce que Paul dit c'est moi. Mais Paul était poussé par qui? Paul ne parlait pas avec un esprit autre que l'esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est pas parce qu'il a dit c'est moi que ce n'est plus biblique. C'est biblique. Nous devons travailler comme il a dit. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour instruire et corriger. Amen. Si un frère a une femme non croyante, donc la femme du frère ne prie pas.
Alléluia. Mais le frère est chrétien. Mais sa femme ne prie pas. Sa femme est païenne. Amen. Je ne veux pas citer ce nom-là. Hein? Bon. Et qu'elle consente à habiter avec lui. La femme dit, malgré que mon mari est chrétien, je ne veux pas me séparer avec lui. Je reste avec mon mari. Alléluia. Alléluia. Amen. Il lui dit, comme mon mari, ma femme ne prie pas, moi je prie. Alors ma femme a dit qu'il veut vivre avec moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il ne la répudie point. L'homme ne peut pas la répudier parce qu'elle est païenne. Il dit, oh non, comme tu es païenne, moi je prie, pars, parce que non, tu restes avec elle. Amen. Alléluia. Et si une femme a un mari non croyant? Si maintenant une femme a un mari qui est païen, la femme prie, mais le mari ne prie pas. Est-ce que la femme doit dire, oh, comme mon mari est païen, je dois me séparer avec? Non. Et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Qu'elle ne répudie point son mari. Il va rester avec. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Car le mari non croyant, à cause des prières de la femme, il est comment sanctifié. Mais ce mari-là, à cause des prières de la femme, si la femme prie et qu'il y avait un sorcier qui le poursuivait, à cause du fait que nous envoyons ici, le fait là fera quoi? Au lieu que le sorcier l'attrape, le sorcier va voir qu'il y a le fait tout autour de l'homme. Mais je ne peux pas toucher. Il fuit à cause des prières de CCPV. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toi qui pries, tu es chrétien ou chrétienne, et que tu es ton conjoint ou conjointe qui ne prie pas, ne te fatigue pas de prier. Parce que tes prières protègent la maison. Amen. Mais seulement ce qui est triste, le jour du retour du Seigneur, la femme montera et le mari non chrétien restera. Amen. Si c'est le mari qui était chrétien, le mari montera et la femme non chrétienne restera. C'est ça qui est dommage. Mais pendant la vie courante sur la terre, si le mari prie, le mari chrétien ou la femme chrétienne prie, tu seras protégé. Mais le jour du retour, tu resteras. Tu passeras directement là où il y a les feux. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Mm-hmm. Autrement, vos enfants seraient impurs. Mm-hmm. Tandis que maintenant, ils sont saints. Papa, si, maintenant, continue. Si les non-croyants se séparent. Si les non-croyants, c'est lui qui est païen. Il s'est dit, je suis tanné de tes prières et d'aller toujours à l'église. Ça me fatigue. D'ailleurs, je m'en vais. Si le frère l'a pas, nous l'église, nous crions victoire. Mais oui, parce que la sœur n'est plus liée. Amen. La sœur obtient quoi? Sa délivrance. Il faut pas, toi, l'église, tu commences à dire, oh, allons arranger. Vous allez arranger quoi? Le frère n'a aucun lien avec la parole de Dieu. On va arranger quoi? Il va comprendre quoi? Lui, il est païen. Il ne comprend pas la parole. Nous allons nous asseoir sur la table pour partager avec lui quel est le langage. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Lui n'a pas notre langage. Lui, il parle le langage de son père qui est le diable. Nous parlons le langage de notre père qui est Jésus. Maintenant, nous allons nous entendre comment? C'est une perte de temps. La Bible dit, la sœur, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Il n'est pas lié dans ce cas. Laissez la sœur libre ou le frère qui était lié avec une femme païenne, il devient automatiquement libre. Libre comme de l'air. À l'église, vous l'appelez plus le divorcé, vous l'appelez célibataire. Il est célibataire,
célibataire parmi les célibataires de l'église, s'il trouve quelqu'un, il trouve. Ne viens pas qu'au bassin dire, oh papa, il vient de se séparer avec sa femme, il a pris une sœur à l'église. Oui! Il est libre comme il est. La païenne est partie. Ça devient une délivrance pour les frères. Parce que les frères, la païenne, il est coincé. Il était tellement coincé qu'il est. Il ne pouvait rien faire. Parce que la parole de Dieu disait, aussi longtemps que la païenne veut rester avec toi, elle consent de rester avec toi, tu ne le répudies pas, tu l'acceptes pareil. Mais le jour que la païenne fait l'erreur, il prend ses valises, on accueille. Bye 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 bye. On a déménagé, oh, on a déménagé. Moi aussi, je fais quoi? Bye bye, je pars. Je suis libre. Tu viens ici, on célèbre le mariage. Et moi-même, le pasteur, je serai là. Mais oui, même s'il crée les polémiques sur la ville, on s'en fout. Nous avons les versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut crier, oh pasteur, il a pris ma femme, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu étais parti. Le mariage n'est pas un lien où je sors, je rentre. Je sors, je rentre. Non. Le mariage, quand on entre, c'est pour rester. Amen. Pas pour sortir, partir et puis tu fais tes aventures. Le lendemain, tu prends les valises parce que tu es fatigué de là où tu étais parti, tu reviens. Mais t'as dit que c'était un marché. Hein? C'était un marché. Le mariage, c'est pour s'asseoir, pour chercher le bonheur, pour chercher la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui sont dans la souffrance. Parce que l'église, au lieu de lui donner la liberté, quand Dieu lui avait donné la liberté, l'église dit, reste comme ça, attends seulement jusqu'à ce que le païen là va revenir. Non! Du moment Dieu a déjà accordé à la sœur ou au frère la liberté, laissez-lui jouir de cette liberté qu'il cherche dans les champs, si quelqu'un peut venir. Parce que Dieu l'a soulagé. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un un païen parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu aime ton bonheur. Il ne peut pas te donner un païen parce qu'il t'aime. Il est amour. Et puis ceux qui disent, oh, hein, je vais prendre un sorcier, Dieu va le changer. Toi qui t'as dit que Dieu va changer. Toi tu connais comment changer, comment faire la conversion. Il n'y a que Dieu qui convertit les gens. Toi, tu ne peux pas dire qu'il oh, va être converti. N'ose pas. Ça, c'est mettre la corde hein, au cou. Du moment que j'essaie, avant le mariage, que yo pumbwa kanabutu, que toi, la nuit, il faut que tu voles, tu circules le monde. Je ferme la porte. C'est fini. Il n'y a plus mariage. Ne dis pas, oh, le Saint-Esprit va changer. Qui t'a dit que le Saint-Esprit viendra changer? Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu nous montre avant l'engagement pour que nous prenions des décisions. Amen. Amen. C'est pourquoi nous prions. La Bible dit, invoque-moi, je vous révélerai les choses hein, cachées. Dieu nous montre cela. Pour que je sache. Toi tu dors et puis tu vois ta fiancée. Celle que tu as dit c'est ta fiancée. Dans ton rêve, tu vois seulement une armée de gens derrière. Elle commence à dire hey, c'est lui, arrêtez-le. C'est lui. Ah ah. Est-ce que demain je viendrai encore te chercher fiancée? Je change de direction. Je t'enlève sur le répertoire de contact. Quand tu appelles, on commence à te dire le numéro n'est plus en service. Je change de numéro, papa. Toi, la nuit, tu viens. Toi, tu es fiancé. La nuit, tu viens. Tu m'égorges. Je commence à me battre avec toi dans mon rêve. Et puis, je vais te marier parce que tu es femme.
Ah! Non. Quelqu'un avant son mariage, une semaine avant le mariage, deux fois, il vient me voir au bureau. Elle m'a étranglé. J'ai dit, papa, elle t'a étranglé lundi. Elle t'a étranglé jeudi. Il reste qu'il puisse te manger. Est-ce que tu vas te marier samedi? Oh papa, je l'aime. Ah! Moi-même, si on arrive samedi et que tu m'étrangles le vendredi. Ah papa! Vous allez m'attendre à la salle? Je suis parti. On ne se marie pas avec honte. Amen. On se marie quand on trouve que tous les éléments correspondent à ce que je suis en train d'attendre. Si je ne vois pas ces éléments, je ne me marie pas. On ne se marie pas avec procuration. Le mariage, c'est toute une vie. Oh. Toi, tu commences à dire, il va changer, il va changer comment? Il faut que tu te maries avec quelque chose qui est déjà intact. Amen. Pas deux jours avant mariage, toi tu commences à m'insulter. Tu commences à m'insulter, tu me gifles. Tu me tapes deux jours avant le mariage. Hey, est-ce que Nakoba la gaga? Parce qu'il est beau. Je viens, je dis à maman, maman, cet homme c'est fini. Oh, on a déjà loué la salle. Oui, ça fait rien. L'argent là, même si le propriétaire de la salle ne veut pas rembourser, ça fait rien. Mais j'entrerai pas dans un mariage où l'homme me tape. Il n'est même pas encore entré dans sa maison. Il a commencé à me taper comme un ballon. Alléluia. Amen. Ou quand tu vois un homme, il peut oser insulter seulement tes parents. Vous n'êtes pas encore mariés. Vous êtes seulement dans les fiançailles. Il insulte ton père. Il commence à dire à Benichab, ton père est court. J'attends seulement cela. Il me verra non ce jour-là. Ah! Tu n'entreras pas avec l'impolitesse dans ma famille. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de deuxième chance. C'était un signal que Dieu a permis pour que vous sachiez dans quel endroit vous voulez entrer. Il y a des gens qui ferment les yeux à cause de l'amour. Quel amour? Quel amour? Bien-aimé, la personne que tu maries doit demeurer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on n'insulte pas. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, Eliezer est venu à la source pour chercher qui? Rebecca. Rebecca était disposée de la source, papa. Elle demeurait à la source. Maintenant, moi, je vais te faire entrer dans notre famille pour que tu nous insultes. Tu n'as même pas encore donné la dot. Tu insultes déjà. Mais le jour que tu donneras la dot. Vous savez que la dot donne un pouvoir à quelqu'un. La dot que vous voyez là, ça donne un pouvoir. Il y a des gens, quand ils lui donnent la dot, il pense qu'il vous a tous épousé. Non, tu épouses une seule personne. Tu nous épouses pas la famille. Attention. Ma fille va à la maison chez toi. Tu commences à l'insulter à cause de ta dot. Dot en vous a combien? Que tu puisses nous dire, j'ai donné la dot. Ah! Alléluia. Alléluia. J'ai vu dans une famille, j'entends seulement des cris. On vient, on trouve les bons fils en train de taper leur fille. Ah, j'ai dit, même s'il faut taper la fille, dans la belle famille, il y a papa et maman. Est-ce que toi qui nous as respecté, nous? Tu nous as respecté. Moi j'ai dit, est-ce que nous tous, on ne peut pas taper cet homme? Mais oui, parce qu'il est impoli. Tu ne viendras pas taper ma fille chez moi. Nous allons te taper. Bien. Nakoti kananu ki pasteur na petit yo bien cueilli. Non. Tu ne peux pas venir. Ça c'est la sauvagerie. On doit se respecter. C'est pas parce que tu as donné la dot, nous sommes devenus tes enfants. Non.
les hommes qui outrepassent, alléluia, ils n'ont aucun respect. Tu dois savoir que quand tu viens chez tes beaux-parents, tu dois avoir un comportement. Tu ne peux pas élever la voix. Même si ta femme a fait du mal, attends quand vous serez chez vous, dans ta maison à toi, vous allez vous engueuler comme vous avez l'habitude, mais pas chez les beaux-parents. Il y a des endroits, même chez les grands frères de ta femme, tu ne peux pas élever la voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même au bureau du pasteur, même si vous venez pour que le pasteur arrange vos histoires, même tu n'as pas droit à élever la voix. Tu commences à dire à ton mari, tais-toi. Tu ne comprends rien. Caca. Il y a des femmes qui sont mal élevées, hein. Non, il y a des limites. On doit se respecter. Amen. 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 C'est pourquoi beaucoup de mariages échouent. À cause qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Ils se sont mariés selon eux. Dieu ne bâtit pas. Ils font ce qui se passe dans sa tête. Moi, on ne peut pas me traser. Moi, on ne peut pas me dire quelque chose. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, j'ai ma manière de voir les choses. D'ailleurs, chez nous, ce n'était pas comme ça. Non, tu viens d'échouer. L'orgueil tue. Ce qui détruit beaucoup de mariages. Pourquoi il y a beaucoup de pauvreté et de souffrance dans les mariages? À cause de l'orgueil. Il y a des hommes qu'on ne peut pas lui faire une remarque. Quand on lui fait une remarque, papa, est-ce que si je t'ai dit, regarde, je vais vous donner un exemple simple. Je viens, je dis au gars, tu es trop négligent. Tu laisses tes habits partout, ça me fatigue, il faut que tu plies tes habits. Et si tu sais que tu les fais, papa, tu ne peux pas dire à ta femme, merci chérie, je ferai un effort de ne plus les faire. C'est mauvais. Est-ce que si je le laisse là, est-ce que tu m'as déjà vu le laisser là-bas? Est-ce que je ne sais pas que je vais enlever? Quand je l'enlève, c'est toi qui fais ça. Tu es impoli. Tu es orgueilleux. Amen. Amen. Quand on te fait une remarque, tu dois accepter la remarque. C'est pour arranger. C'est pour enrichir la maison. C'est ça qui amène la bénédiction. Quand quelqu'un sait reconnaître ses faiblesses, la parole de Dieu vient pour que nous puissions changer. Amen. Que je change, que j'abandonne mes faiblesses. Quand quelqu'un sait voir ses faiblesses, sait voir ses défauts, sait accepter les remarques qu'on lui fait, cette personne change. Mais quand tu n'acceptes pas, regarde, depuis que tu fais la tête jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours dans la souffrance. Et qui amène les faits? C'est toi-même. On s'arrête ici. Demain, je vais continuer. Je vais parler de l'amour. L'amour dans les mariages. Amen. On s'arrête ici parce que je commence à entrer déjà dans les domaines de l'amour. C'est l'orgueil. Si je ne m'abaisse pas devant la parole de Dieu, je suis orgueilleux, je mets mon mariage en péril. Il faut que je sois capable. Quand ma femme me parle, il me dit, papa, ce que tu as fait n'est pas correct, que je puisse lui dire. Moi, des fois, je lui dis, chérie, supporte-moi un peu. Que Dieu m'aide à changer. Je suis un humain, Dieu va m'aider à changer. Il dit, papa, tu as dit ça la fois passée. J'ai dit, le changement ne vient pas d'un clin d'œil. Ça vient petit à petit avec le temps. Le problème aussi chez certaines personnes, c'est quoi? Papa, il veut, s'il te dit maintenant, tu changes maintenant. Oh, attends, yo, ça change. Est-ce que toi, tu as déjà changé?
pour que moi je change comme si je suis un robot. Moi je ne suis pas un robot. Je suis un humain. J'ai des sensations. J'ai aussi des faiblesses. Des choses qui m'empêchent des fois de changer. Alléluia. Je me bats avec. Donnez-moi aussi le temps de les gagner et que je puisse amener quoi? Les changements. Amen. 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 Toi, tu veux comme tu m'as dit, tu ne veux plus que je dépose le verre ici. Je peux oublier. Le soir, j'écoute un film, je dépose le verre. Maman Rita, cela ne veut pas dire autant que papa n'est pas gentil. C'est un gentil homme. Qui a flétri. Est-ce que ça efface tous les biens que je t'ai fait? Des dieux de notre pays. Ah! Voici qu'il se lève. Combien de fois je t'ai fait à manger? Apporter un élan nouveau. Combien de fois je t'ai porté, chérie? Tu oublies tout ça parce que j'ai laissé le verre. C'est toi qui es mauvais. De notre nation. Car il est Dieu. Donc moi, je n'ai plus droit à l'erreur. Un peuple longtemps assis dans les ténèbres. Parce que je t'ai épousé. Le soleil devant. Le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous. Que Dieu vous bénisse. Pour la joie de tous. Que nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia.